Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission Guinée Forum. Guinée Forum est une émission produite dans le cadre du projet Participation des citoyens à la gouvernance de la santé, un projet financé par l'USAID et mis en œuvre par FHI 360 en consortium avec Church for Common Ground et Social Impact. Dans ce numéro spécial de votre émission Guinée Forum, on s'intéresse aux États généraux de la santé qui vont se tenir bientôt en Guinée. États généraux de la santé, ce n'est certes pas un nouveau mot pour vous car vous en avez déjà entendu parler puisqu'ils se sont déjà tenus dans beaucoup de secteurs de la vie sociopolitique et économique de notre pays. D'ailleurs, chers téléspectateurs, les derniers États généraux dans le secteur de la santé remontent en juin 2014. Cinq années après, qu'est-ce qui justifie aujourd'hui l'organisation de ces États généraux? Où en sommes-nous avec les préparatifs et quelles sont les grandes articulations de ces assises? Autant de questions que nous allons tenter d'aborder avec nos invités qui sont déjà sur ce plateau. Il s'agit de Dr Kourouma Mamadi. Il est conseiller du ministre de la Santé chargé des questions de politique sanitaire. Également avec nous sur ce plateau, Dr Kaba Abdoulaye. Lui, il est le directeur du Bureau de stratégie de développement. Bonsoir, chers invités. Bienvenue sur ce plateau. Bonsoir, madame. Amor Kor Kaba également avec moi pour la co-animation de cette émission. Bonsoir à toi également, Korka. Bonsoir, Fanta. Bonsoir à nos invités et à tous les téléspectateurs. Je rappelle que Korka est le président de l'Association des journalistes en santé. Dans cette émission, vous n'aurez pas le public, mais dans la deuxième partie de votre émission Guinée Forum spéciale, nous allons vous proposer un micro-trottoir où les citoyens se sont exprimés par rapport à leurs attentes vis-à-vis de ces États généraux. Korka, je le disais à l'entame de cette émission, bientôt les États généraux de la santé. Justement, la question qu'il faut poser dès le début, c'est de savoir pourquoi ces États généraux. Et je pense que Dr Kourouma serait mieux placé pour répondre à cette question. Parce okay. qu'on parle de politique. Okay. Merci madame, merci monsieur Korka. Et merci de nous offrir ce plateau, une opportunité pour partager avec vous quelques réalités du ministère de la Santé. Le ministère de la Santé, avec l'appui de ses partenaires techniques et financiers, a élaboré un plan national de développement sanitaire. Et avant l'élaboration de ce plan, il faut rappeler qu'on a tenu les États généraux de la santé. Ces États généraux ont permis d'élaborer une politique de santé. Et cette politique est assortie d'un plan national de développement sanitaire couvrant 10 ans, c'est-à-dire allant de 2015 à 2024. Et avec la mise en œuvre de ce plan, beaucoup de résultats positifs ont été obtenus. Et s'il faut citer quelques résultats, vous voyez la mortalité maternelle, par exemple, a diminué de 724 décès pour 100 000 naissances vivantes à 550 pour 100 000. La mortalité infanto-juvénile est partie de 125 pour 1000 à 111 pour 1000. Et pour commencer, ce plan a permis d'abord d'éliminer la maladie à virus Ebola, parce que ça, c'était le premier axe du plan. Et dans la mise en œuvre également de ce plan, d'autres résultats importants, tels que la chute du taux de paludisme. La prévalence du palud est partie de 45% à 14% dans la période de mise en œuvre du plan. Mais malgré ces résultats qu'on dit positifs, l'analyse récente dans le secteur a permis de constater que beaucoup de problèmes demeurent dans le secteur de la santé. Et parmi ces problèmes, je peux rappeler par exemple la pratique illégale de soins médicaux et de pharmacie dans notre pays, ce qui fait qu'on a un marché illicite de médicaments et presque une pratique illicite de soins aussi dans le secteur. Et il y a d'autres problèmes ressortis au cours de ces analyses, à savoir
la qualité des soins et la faiblesse en termes de ressources humaines. On peut même se poser la question pourquoi les ressources humaines ne sont pas dans les zones rurales. Voilà tant de questions qui amènent aujourd'hui le ministère de la Santé et ses partenaires à convoquer cette assise importante pour discuter de manière plus approfondie ces différents problèmes qui demeurent dans le secteur de la santé. Donc c'est un peu ça. Est-ce là les seules raisons pour lesquelles on tient ces états généraux? Bien, il y a d'autres raisons. Il y a le dialogue social et ces questions, comme je l'ai dit, il faut les analyser, il faut trouver des mesures correctives pour améliorer davantage l'état de santé de la population. Je vais rappeler ces indicateurs pour vous dire que ça, la mise en œuvre du plan assorti des états généraux, donc des premiers états généraux, a apporté un changement. Mais malgré ce changement, qu'il y a des problèmes qui persistent. Donc la persistance d'un certain nombre de problèmes amène le ministère de la Santé à organiser ces états généraux. Ok, nous allons revenir sur cette question plus tard. Mais en attendant, docteur Kaba, je rappelle que le thème retenu cette année pour ces états généraux, c'est la pratique médicale et la pratique pharmaceutique en Guinée, un diagnostic sans complaisance vers la couverture sanitaire universelle. Dites-nous, qu'est-ce qui motive le choix d'une telle thématique? Merci beaucoup, Madame Condé. Et vous savez, la question de santé est une question de développement, c'est aussi une question de sécurité. La motivation de ces questions, c'est qu'aujourd'hui, le système de santé, et quand on le prend tel qu'il est, selon nous, les professionnels, il est composé de 6 piliers. Mais pour la population, le système de santé n'a pas de pliers. Le système de santé, c'est quand il va au centre de santé, quand il va à l'hôpital, le service qu'il reçoit et la qualité de ses services, c'est ce qui est jugé par la population. Et quand on parle de ces services-là, on parle de l'offre de services. Par exemple, tu viens pour traiter ton palu, tu as eu ton ordonnance, tu as fait le diagnostic et tu as le produit qu'il faut, tu vas à la maison, tu prends ton médicament, tu es guéri. Mais ça demande beaucoup de processus. Aujourd'hui, il se trouve que les populations ne sont pas satisfaites des offres, des services. Donc, pour le ministère de la Santé, c'est un problème. Il se trouve aujourd'hui, puisque les populations ne sont pas satisfaites, et certainement dans la lignée, il y a un problème de diagnostic, donc il faut voir le plateau technique. Et quand on doit voir le plateau technique pour voir est-ce que les diagnostics sont bien posés, on doit se demander aussi, est-ce que les médicaments qui sont donnés sont des bons médicaments? C'est ce que M. le conseiller était en train d'expliquer tout à l'heure. Donc, ces trois éléments pour nous paraissent très intéressants de comprendre. Est-ce que les services sont de bonne qualité? Est-ce qu'ils sont bien acceptés par la population? On va donner la parole à la population pour qu'ils parlent. Est-ce que le diagnostic qui sort des hôpitaux et des centres de santé, est-ce que ces diagnostics correspondent aux problèmes de santé que les populations ont? Donc, on va donner la question, on va poser la question à la population. Est-ce que, quand une fois qu'ils viennent à l'hôpital, est-ce qu'ils guérissent? Est-ce que le bon diagnostic est posé? Et l'autre question aussi que vous pouvez poser à la population, c'est de comprendre, est-ce que les médicaments que vous prenez, ces médicaments sont des bons médicaments? Parce que si un diagnostic est bien posé, on a posé son problème au médecin, il a compris ton problème, il a fait le diagnostic, tu as le médicament, pour le bon citoyen, tu dois guérir. Effectivement. Voilà. Donc, c'est pourquoi nous avons choisi ces trois thèmes pour comprendre, effectivement, malgré tous les efforts que le pouvoir public est en train de mettre à disposition pour renforcer le système de santé, pour offrir le service de santé de qualité à la population. Mais comme M. le conseiller a dit, nous-mêmes, on se rend compte qu'il y a effectivement des problèmes. Mais on comprend bien sûr. Vous savez, en termes de politique publique, le choix public est très difficile. Les priorités sont illimitées, mais le pouvoir public n'a pas les moyens de faire face à toutes les priorités. Et donc, ces présents états généraux, comme M. le conseiller a dit, c'est une commande du pouvoir public. Et quand le pouvoir public commande, c'est que sa population a demandé.
Oui, effectivement. Voilà. Donner la parole à la population, faire participer les citoyens, point qui nous intéresse particulièrement, Korka. Justement, je me rappelle que lors des derniers états généraux, la médecine traditionnelle a été réellement au centre des discussions, des débats. Et il semble aussi que cette fois-ci, parce que nous nous rendons compte que la médecine traditionnelle est logée maintenant dans une direction avec la santé communautaire, est-ce que cette fois-ci encore nous assisterons disons une fois à la fin de ce petit problème qui existe entre la santé communautaire et la médecine traditionnelle et la médecine moderne comme on l'appelle. Ça fait très longtemps qu'on essaye de faire de telle sorte que ces deux puissent cohabiter, mais apparemment ça ne marche pas réellement. Est-ce que c'est une occasion de gérer définitivement cette situation? Je pense que c'est une bonne occasion. Vous vous rappelez, au mois de juillet, le 20 juillet, les professionnels de la santé ont invité M. le Président de la République au Palais du Peuple. Vous avez dit, les états généraux passés, effectivement, la composante médecine traditionnelle a été une composante qui a été retenue. Mais ce qu'il faut retenir en tant que ministère de la Santé, c'est qu'on n'a pas beaucoup bougé sur la médecine traditionnelle et son articulation aussi avec la médecine moderne. Mais lors de la rencontre du président de la République, le professeur Alpha Condé, avec les professionnels de la santé, le président de la République est revenu pour poser le problème. La médecine traditionnelle a sa place. Il a demandé au ministre de la Santé comment faire en sorte que notre médecine traditionnelle soit un appui aussi pour la médecine moderne, et dans quelle mesure la médecine aussi, moderne aussi peut être un appui pour la médecine traditionnelle, pour que quand les deux collaborent, que les populations puissent trouver ce qu'il faut pour leur bonne santé. Et je vous rappelle que le mois qui a suivi, le président et le premier ministre indien était venu. Il y a une convention qui a été signée et avec la commande de M. le président de la République pour que la question de la médecine traditionnelle et la médecine moderne soit traitée et dans le cadre de la coopération avec l'Inde. Okay. Il faut reconnaître quand même que les problèmes persistent à ce niveau. Mais docteur Kourma, où en êtes-vous aujourd'hui avec l'organisation de ces états généraux et quand est-ce qu'ils vont se tenir concrètement? Bien, donc par rapport à l'organisation, nous sommes en train. Aujourd'hui, d'abord, nous avons mis en place des groupes thématiques en fonction des thèmes que vous avez soulevés tout à l'heure. Ces groupes thématiques ont travaillé, composé de personnel de santé, de privé, public. Et ce travail a été aussi résumé par une commission technique que le ministre a mis en place. Cette commission a sorti un document unique de toutes ces thématiques. Alors, sur le plan technique, ces documents sont prêts. Tout dernièrement, en conseil de cabinet, le ministre a demandé l'état de lieu et le niveau d'évolution des différentes commissions qui a été faite, comme je l'ai dit. Donc aujourd'hui, techniquement, alors nous avons réuni tous les éléments techniques afférents à la tenue des états généraux. Donc est-ce qu'on peut dire que tous les moyens sont réunis aujourd'hui pour que ces états généraux puissent se tenir dans un bref délai? Oui, techniquement, tous les moyens sont réunis. Techniquement, est-ce que les moyens financiers aussi? Oui, peut-être Dr Kaba va nous dire un peu le niveau, celui qui est chargé de mobilisation. Okay. Parce qu'on aimerait aussi connaître la date. Mais techniquement, en tout cas, les arguments techniques sont là pour qu'on aille aux états généraux. Okay. Donc il reste maintenant l'accompagnement sur le plan financier, docteur Kaba. Oui, comme monsieur le conseiller a dit, il a personnellement supervisé tout ce processus de préparation avec le BSD, les autres directions, la société civile et puis aussi le secteur privé pour avoir le regard professionnel des états généraux. Maintenant, le regard citoyen, c'est ce que vous allez faire. Okay. Vous allez donner le micro à la citoyenne. Nous allons jouer donc, notre rôle. Exactement. Donc, par rapport à la question, effectivement, comme il a dit, techniquement, tout est prêt. Et sur le plan financier aussi, le gouvernement s'est engagé à financer les états généraux. Et les partenaires aussi se sont engagés à financer les états généraux. Donc, sur le plan budgétaire, tout est prêt.
C'est juste une question de date. Et par rapport à la date aussi, Monsieur le ministre d'État, Monsieur le ministre de la Santé, Dr Nyanko Ilama, et il a donné son avis par rapport à la date. Il a demandé à ce que le ministère fasse tout pour que les États généraux puissent se tenir dans la deuxième quinzaine du mois d'octobre. Ok. Vous avez tout à l'heure parlé de société civile, ça m'a interpellé. Donc la société civile, elle est associée aux préparatifs de ces États généraux. Vous parlez un peu plus. Jusqu'où elle est impliquée? Oui, en fait, c'est ce que je disais. Vous savez, la société civile en tant que telle est aussi une entité professionnelle organisée, n'est-ce pas, qui représente la population. La société civile peut avoir son avis, peut-être qu'il représente la population, mais il n'est pas forcément égal à ce qu'un citoyen lambda, micro-tenu, peut dire. N'est-ce pas? Donc, les organisations de la société civile qui existent en tant que structure, les différents groupes thématiques qui ont été composés, on a fait en sorte que la société civile soit représentée dans ces différents groupes thématiques, le secteur public et le secteur privé. Donc, je crois que l'étape qui commence maintenant, c'est de pouvoir donner la parole à la population, aux prestataires, aux utilisateurs de services, pour que eux, ils vous disent leur regard sur les questions de santé, notamment la qualité des services, notamment les questions des médicaments, notamment les questions de diagnostic, de technologie médicale. Vous ne pensez pas, Dr Kaba, qu'on aurait dû commencer par ça? Par écouter d'abord les populations avant de... Docteur Koum veut ajouter quelque chose. En fait, on peut ne pas commencer par recueillir ses avis. Il y a une étape. Et aujourd'hui, comme Dr Kaba l'a dit, le professionnel de santé n'a pas le même regard sur la santé comme la population ou d'autres bénéficiaires. Aujourd'hui, les techniciens ont travaillé, ont fait une analyse de la situation. Ça, on a commencé par la mise en œuvre du plan, ce que les professionnels ont fait, etc. Cette analyse technique est faite. Mais après cette analyse, ce rapport, on donne l'occasion à la société civile, aux autres, de se prononcer sur leur état de santé. Donc là, c'est en ce moment que leur point de vue sera pris en compte. Et l'organisation pratique des États généraux va donner de l'espace à toutes ces opinions. C'est-à-dire que nous ne viendrons pas pour dicter les choses directement. Nous allons utiliser les documents techniques produits pour susciter les discussions. Et après, on donnera la parole à tout le monde. Et lorsque vous regardez les participants, toutes les couches socio-professionnelles sont visées, la population, tout le monde. Et nous allons utiliser, quand ces radio-trottoirs, ces micro-trottoirs recueilleront les avis des uns et des autres, nous allons utiliser ça dans la phase active des États généraux pour analyser la situation et maintenant envisager des mesures correctives par rapport à tout ce qui sera identifié comme problématique. On va revenir sur la participation citoyenne parce que je pense que c'est important que les citoyens participent au processus pour la réussite de ces États généraux. Docteur Kaba, je le disais tantôt, ce n'est pas une première. Il y a déjà eu d'autres États généraux et les derniers remontent en 2014. Pouvez-vous nous rappeler quelques recommandations clés de ces derniers États généraux? C'est vrai que Dr Kourouma tout à l'heure a essayé de faire l'état des lieux, mais est-ce que vous pouvez revenir un peu sur certaines recommandations? Bon, peut-être que je vais énumérer certaines recommandations. Après, Dr Kourouma, qui est mon aîné, il va compléter. Et l'une des recommandations était que vis-à-vis des problèmes qui sont posés par les États généraux, il était question, parce qu'on était pratiquement dans Ebola, à la sortie d'Ebola. Donc, on a découvert certains problèmes que nous-mêmes nous ignorons au niveau du système de santé. Donc, l'une des recommandations était de revoir notre politique de santé pour revoir notre façon d'agir. Parce que la question de santé communautaire, par exemple, la question citoyenne n'était pas suffisamment prise en compte dans les stratégies que nous avions avant Ebola. Ebola est venu ressortir que
santé sans participation communautaire, on n'a pas la santé. On a vu ce qui s'est passé même pendant voilà. Ebola. Voilà, donc sur la base de la révision de la politique, donc nous avons élaboré, comme M. le conseiller a dit, il était aussi l'un des acteurs vraiment qui a travaillé sur ça. On a élaboré le plan national de développement sanitaire. Et puis, on a élaboré un plan triennal d'urgence pour la résilience et le renforcement du système de santé post-Ebola. Et à travers ce plan, on a mobilisé de l'argent au niveau du gouvernement qui s'est engagé. On a aussi mobilisé beaucoup d'argent au niveau des partenaires. Et vous imaginez, comme il a dit dans les résultats, en 2010, on est parti de moins de 2% et aujourd'hui, on est à 8% du budget national pour la santé. Toutes ces idées sont venues, toutes ces recommandations sont venues des États généraux pour dire si on n'investit pas dans la santé, c'est que le problème de santé bloque le problème de développement intégré. Donc à partir de là, le président de la République a donné vraiment des instructions claires pour faire de la santé une priorité. Parce que la question de santé aussi, c'est une question d'investissement. Et quand on parle d'investissement, on parle de développement. Donc voilà quelques... Peut-être monsieur le conseiller politique va me compléter par rapport... Par rapport à la prise en compte des recommandations depuis 2014. Oui, l'une des recommandations des États généraux, c'était le financement de la santé. Parce qu'à l'époque, la santé recevait à peine 2% du budget national. Alors, l'une des grandes recommandations... 2014, l'une des grandes recommandations était de faire en sorte que même si on n'atteint pas le niveau d'Abuja, le niveau recommandé par Abuja, qui est de 15%, mais de faire des efforts pour qu'annuellement, le budget soit augmenté. Et par rapport à cette recommandation, je crois qu'il y a un progrès. Et le docteur l'a dit, nous sommes de 2%, nous sommes allés jusqu'à 8% environ aujourd'hui. Donc ça, c'était une des recommandations clés. Et l'autre recommandation, c'était sur les ressources humaines. Parce qu'à l'époque, l'analyse qui a été faite a montré qu'il y avait une pénurie de ressources humaines, surtout dans les milieux ruraux. Et il a été recommandé de procéder au recrutement aussi du personnel. Et ça, après Ebola, vous avez suivi, on a recruté ces dernières années près de 6 000 agents de santé. Et au moment où je vous parle, le ministère de la Santé est en train de travailler sur un autre recrutement qui doit avoir lieu cette année et qui sera autour de 5 000 agents. Ce qui fera que cette problématique au niveau des zones rurales, qui est essentielle, hein, la question de ressources humaines, sera progressivement résolue. C'est un problème qui persiste. Qui persiste, oui. Oui. Mais quand on regarde un peu les statistiques, c'est vrai qu'au niveau des recommandations, il y a eu quelques-unes qui ont été réellement prises en compte. Oui. Mais comment pouvez-vous évaluer? Quelle est l'évaluation que vous faites de la prise en compte de ces recommandations? Nous avons maintenant 5 ans depuis que ces États généraux se sont tenus. C'est assez important pour regarder un peu et se dire, voilà le niveau auquel nous nous situons aujourd'hui en termes de réalisation des recommandations qui ont été formulées. Donc le taux de réalisation. Non, je crois qu'il ne faut pas aller directement sur les recommandations, mais plutôt avoir un regard sur l'état actuel de santé de la population. Si nous revenons sur ce état... Parce que c'est ça qui amène aujourd'hui la tenue des États généraux. Ce n'est pas du fait que les recommandations n'ont pas été mises en œuvre. Il y a eu des recommandations, il y a eu l'exécution d'un certain nombre de recommandations. Docteur Kourouma, oui. Revenons sur l'état de la santé aujourd'hui des populations. Oui. C'est vrai qu'il y a eu assez d'efforts. Oui. Quand on parle, par exemple, de financement, oui. Nous l'avons dit, on est parti de 2,4 à 8%. C'est un effort. Bien sûr. Nous savons qu'il y a eu aussi beaucoup d'efforts au niveau du recrutement personnel, disons que la ressource humaine. Et il y a des efforts, notamment au niveau communautaire, qui est en train d'être fait. Oui. Mais malgré tout cela, il y a un sérieux problème au niveau de la population qui n'arrive toujours pas, vous-même vous l'avez reconnu, qui n'est pas satisfaite. La population n'est pas satisfaite. Est-ce qu'on ne devrait pas essayer de voir qu'est-ce qui n'a pas marché réellement? Dites-nous qu'est-ce qui n'a pas réellement marché. Et c'est la raison pour laquelle
justement, nous allons interroger la population. Mm-hmm. Vous allez faire les micro-trottoirs, ça va nous aider. Mm-hmm. On va interroger la population et savoir qu'est-ce qui ne va pas là aussi. Vous revenez le regard technique, mm-hmm. nous ne pouvons pas. Oui, bien sûr. Vous revenez à ma question qui oui. disait, par rapport à la prise en compte des. Est-ce qu'il n'était pas mieux oui. d'écouter les populations, mm-hmm. de chercher à diagnostiquer d'abord le problème oui. Parce que généralement, nous avons de très beaux textes. Oui. Nous mm-hmm. avons des politiques qui sont excellentes, mm-hmm. mais le plus souvent, nous discutons, nous avons des cerveaux qui sont extrêmement puissants mm-hmm. et qui voient vraiment bien. Et qui sont qui nous font des documents qui sont extrêmement importants s'ils sont mis en œuvre. Mm-hmm. Mais le plus souvent, la mise en œuvre de ces de contenu de ces documents pose problème mm-hmm. à partir du moment où les populations ne sont pas, ce n'est pas de l'émanation de cette population là le plus souvent. Est-ce que vous ne pensez pas qu'on aurait dû commencer par cela? Bon, ça dépend de la stratégie, de la façon de voir, mm-hmm. hein. Et on peut faire un diagnostic participatif et puis après aller faire mais c'est comme on peut faire un diagnostic technique mm-hmm. et puis aller faire sonder la population et prendre ce sondage et ce rapport technique et puis analyser, proposer des solutions. Okay. C'est un peu cette deuxième voie que nous avons choisie. Mm-hmm. Je pense qu'il n'est pas encore trop tard. On peut toujours remédier, et on peut toujours corriger. Et nous, à notre niveau, et nous avons essayé d'aller à la rencontre de certains de nos concitoyens qui ont exprimé leur attente par rapport à ces états généraux. Okay. Suivez, on se retrouve juste après. On a appris qu'actuellement se tient dans notre pays les états généraux de la santé. Moi je pense que c'est une très bonne chose si on arrive à faire un bon diagnostic organisationnel de toutes les composantes qui affectent aujourd'hui nos structures de santé. Je pense que c'est une excellente chose. En ce sens que vous savez, depuis 2013, la Guinée est en train de se remettre d'une épidémie qui a affecté sérieusement nos structures de santé. Donc pour nous, les états généraux de la santé, c'est une bonne chose. Si toutefois on implique toutes les composantes qui utilisent aujourd'hui ces différentes structures sanitaires. Nos attentes aujourd'hui, c'est au niveau de l'accès, et les soins et aussi la réduction des coûts des médicaments. Parce que vu l'état de pauvreté aujourd'hui qui affecte la population guinéenne, l'État doit s'engager vraiment à réduire considérablement les coûts de prestation dans nos structures de santé. Et voir aussi comment est-ce que l'État peut aussi prendre même en charge certaines personnes qui n'ont pas les moyens dans le cadre de soins. Les états généraux de la santé, pour moi, c'est une bonne initiative puisque ça permet aux experts de la santé de parler des maux dont souffre la santé guinéenne. Mes attentes sont nombreuses. D'abord, moi, je voudrais réellement que les médecins soient trop proches de la population. Il faudrait aujourd'hui que l'accès à la santé soit vraiment une effectivité aujourd'hui sur le terrain. Aussi, surtout la formation des médecins aussi, ça doit être pris en compte. Donc il faudrait vraiment accentuer aujourd'hui le regard sur aussi la formation des médecins. Je profite de votre micro pour lancer un appel aux autorités en charge de la santé pour qu'elles puissent revoir cette question de gratuité de la césarienne. Parce que sur le terrain, cette gratuité n'est pas effective. Il y a de nombreuses femmes qui nous témoignent souvent dans les différentes émissions qu'elles n'ont pas accès au kit de césarienne. Donc il est important de revoir cela pour que la gratuité de la césarienne soit effective sur toute l'étendue du territoire. À côté de cela aussi, je me prononcerai sur l'offre de soins, les prestations de soins qui ne sont pas souvent de qualité dans certaines structures sanitaires du pays. L'accueil n'est pas là parfois. Et je pense que les médecins à leur niveau, pas tous les médecins, je dirais,
les agents de santé concernés par cette pratique, ils devraient revoir leur façon de faire. Parce que quand un malade se rend dans une structure sanitaire, ils ont l'obligation de lui accorder le maximum d'attention pour remonter non seulement le moral de ce malade et lui permettre de recouvrer également sa santé. Je voudrais profiter aussi de votre micro pour inviter les COSA à intensifier leurs actions parce que je crois qu'ils ne sont pas tellement connus dans la communauté. C'est vrai qu'ils font du bon travail, mais ils devraient faire en sorte d'impliquer beaucoup plus cette communauté pour que leur rôle, leur mission soit effective sur le terrain. Moi, je pense que jusqu'à aujourd'hui, il y a encore un petit souci dans certains messages qui sont véhiculés en matière vraiment de prise en charge sanitaire. De par endroit, on dit que la césarienne est gratuite. De par endroit, on attend que le traitement du palu est gratuit. Alors que quand vous partez dans les structures sanitaires, les patients aussi se plaignent pour dire qu'on les fait payer des montants par rapport à la césarienne et au palu. Moi, je pense que pour ces états généraux, il faut que les gens prennent vraiment des solutions idoines afin que un bon message soit véhiculé aux patients pour savoir vraiment est-ce que réellement ce qui est dit et ce qui se fait sont en concordance. Par définition, la santé publique, c'est la santé globale sous ses aspects curatifs, préventifs et autres. Donc, en ce qui concerne le cas guinéen, on peut dire qu'il y a un problème de la réforme du système de santé en Guinée. À l'intérieur de cette réforme, il va de soi que l'accès aux soins soit effectif. Ceux de Conakry peuvent recevoir des produits alors que ceux qui sont à l'intérieur du pays ne peuvent pas recevoir au même moment. Donc, c'est pas systématique. Au-delà de tout cela, il y a un problème de personnel de santé. Le problème de personnel de santé, ici, il y a une forte concentration du personnel de santé alors qu'à l'intérieur du pays, lors de nos tournées, à l'issue de nos constats, nous avons compris qu'il n'y a pas de personnel de santé à l'intérieur du pays. Donc aujourd'hui, la population voudrait avoir des personnels qualifiés. Moi, je voudrais vraiment, parce qu'à un moment donné, ils avaient annoncé que la césarienne était gratuite. Mais moi, j'ai fait une césarienne, mais j'ai payé beaucoup d'argent parce qu'à la clinique, on pouvait pas, dans les hôpitaux, on dit, bon, c'est gratuit, mais il faut acheter tel. Imagine, tu es en travail. Est-ce que tu vas te mettre à calculer qu'est-ce qu'il faut payer? Est-ce que c'est gratuit ou pas? Tu penses à ta santé d'abord, à sauver ton bébé. Tu es obligé de payer. Il faut que l'État revoie cette situation. La première des choses que je voudrais que les responsables de la santé, de façon générale, débattent lors des assises de la santé en Guinée, c'est de reconsidérer d'abord les fonds alloués au système de santé pour mieux équiper aujourd'hui nos structures sanitaires, notamment à l'intérieur du pays. Vous avez des structures de santé qui sont construites, c'est déjà en pas, mais fort malheureusement, ces structures ne sont pas équipées, ce qui fait du coup, les citoyens sont obligés de quitter l'intérieur du pays pour venir à Conakry. Et assez de personnes perdent la vie en quittant l'intérieur du pays pour se rendre à Conakry. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses que je voudrais, c'est que l'État insiste et exige, même s'il le faut, qu'il y ait un dialogue aujourd'hui entre les patients et les agents de santé, je veux dire les médecins, lors des consultations. Alors, pour ce qui est de la pratique pharmaceutique en Guinée, il y a assez de choses à améliorer. D'abord, commençons par les gens qui font la pharmacie en Guinée. Il n'y a pas que des spécialistes tout simplement qui le font. Nous constatons un peu partout à Conakry et à l'intérieur du pays des pharmacies par terre, ce qui n'est pas normal. Nous souhaitons que le citoyen guinéen, quel que soit son sexe, son origine, qu'il puisse accéder aux soins de santé primaires. Parce que c'est un engagement que le gouvernement guinéen a pris à travers le ministère de la Santé. Et ça fait partie des directives internationales dont notre pays est un état parti. Et deuxièmement, je voudrais que tout ce qui concerne des prix de soins, que ceci soit rendu public et que cela soit mis sur une plateforme dédiée à cela pour que les citoyens sachent combien ça coûte le ticket d'entrée dans un hôpital, parce qu'aujourd'hui c'est un sacré problème. Nous constatons que c'est sur la tête du client qu'on fixe. Et puis aussi, mais aussi, il faudrait que l'État guinéen aussi essaie de revoir à la baisse l'allocation des cabines dans les hôpitaux. Parce que c'est franchement, c'est pas à la portée de n'importe quel citoyen guinéen. Alors comme l'État est là pour tout le monde, il faudrait qu'il y ait un nivellement des prix pour que tous les citoyens puissent avoir accès
aux cabines. Troisièmement, et c'est important qu'en Guinée, comme à l'image de certains pays, que les enfants de 0 à 7 ans bénéficient des soins gratuits et que l'État accepte de prendre les enfants de 0 à 7 ans en matière d'habillement, en matière de soins et en matière même de tout ce qui est nutrifiant pour que ces enfants-là puissent évoluer dans les bonnes conditions. Mais il ne faut pas aussi continuer à demander de l'argent aux parents pour ce qui concerne d'acheter des couches, des laits et autres. Là. Donc dans les autres pays, de 0 à 7 ans, l'État accepte de prendre les enfants gratuitement. Retour donc sur ce plateau. Je vous rappelle que vous suivez toujours votre émission Guinée Forum. Et aujourd'hui, on s'intéresse aux états généraux de la santé. Et quand on vient donc de suivre ce micro-trottoir. Justement, à nos chers invités, vous avez forcément quelque chose à dire. Quelles sont vos réactions par rapport à ce que vous venez d'écouter et ce que vous venez de regarder? On commence par Dr Kourma. Ok. Non, justement, à écouter ces micro-trottoirs, c'est bien notre attente. Hein. Et ça correspond effectivement à l'attente du ministère de la Santé par rapport à la population. Parce que notre souhait, c'est de donner la parole à plus de personnes, à plus de citoyens, pour que les avis, qu'on puisse recueillir beaucoup de nombreux avis, afin de prendre tout ça en compte dans les résolutions finales. Donc je pense qu'il faut d'ailleurs continuer ces micro-trottoirs pour recueillir encore plus d'avis, parce que c'est la préoccupation des citoyens, c'est leur état de santé qu'on va discuter, ils ont leur mot à dire. Et c'est eux qui sont utilisateurs des services de santé, c'est eux qui sont bénéficiaires. Donc ils doivent nécessairement être associés dans la prise de décision et dans toutes les réformes qu'on va engager sur, par rapport à l'amélioration de leur état de santé. Ok, docteur Kaba, le micro-trottoir que vous venez de suivre ne présente qu'une infime partie des attentes des populations en matière de soins de santé. Et au-delà des micro-trottoirs, peut-être que nous ou les autres médias vont réaliser, comment comptez-vous collecter ces attentes pour qu'elles soient prises en compte lors de ces états généraux? Oui, une commission va être mise en place et aussi tous les enregistrements que vous allez faire, nous allons les recueillir. Et la commission va travailler pour pouvoir collecter toutes ces informations. Et comme M. le conseiller a dit, les 4 jours consacrés aux états généraux, on va faire la synthèse présentée. Certainement, les représentants des mêmes citoyens vont être là et ils vont vous dire si nous avons été fidèles, oui ou non. Et sur la base de ça, sur le consensus, on va décider des lignes qu'il faut tracer pour après les états généraux. Mmh. Et donc moi, ce que je pourrais peut-être ajouter, peut-être vous avez dit que c'est une partie, une infime partie. Mmh. Ce serait aussi intéressant de donner du micro à ceux-là même qui sont en train ou bien à la sortie de l'utilisation des services pour qu'ils vous disent de façon pratique ce qu'ils ont vécu en termes d'accueil et en termes de paiement gratuit ou non gratuit. Mais encore, il faut aussi tendre le micro aux prestataires, aux agents de santé. Aux agents de santé. Ok. Et dans leur service où ils sont en train de travailler, soit au niveau du centre de santé ou au niveau des hôpitaux, pour qu'eux aussi, ils ont leur point de vue aussi. Peut-être leur point de vue est aussi différent des points de vue de nous qui sommes au niveau. Qui sommes peut-être dans la capitale. De la décision au niveau central. Okay. Donc, ils ont aussi des mots, ils ont aussi des paroles. On veut vraiment écouter tout ça. Mm-hmm. Et comme M. le Président de la République a dit, M. le Ministre a dit, ils veulent un diagnostic sans complaisance. Mm-hmm. Pour vraiment poser le problème et ensemble on trouve les solutions qu'il faut pour l'amélioration de la santé de la population. C'est le souhait de M. le Président de la République. Et quelqu'un a dit ici, le rapprochement des services aux populations, il l'a plusieurs fois répété M. le Président de la République et tous les jours M. le Ministre de la Santé aussi, c'est son souhait que les services soient près des populations, que les populations aient le service qu'ils veulent. Je voudrais insister sur la question de Fanta, parce que nous sommes journalistes, nous faisons notre travail de donner le micro, de tendre le micro aux citoyens. Mais au-delà de recueillir les avis des citoyens à travers nos micro-trottoirs, est-ce qu'il y a au niveau du ministère de la Santé, dans le cadre de ces états généraux, un mécanisme qui est mis en place, qui permet de savoir réellement comment comptez-vous associer la population
à cela. Comment comptez-vous avoir l'avis de la population? Je vais vous donner un exemple frappant. Mm-hmm. Monsieur le Président de la République, le professeur Alpha Condé, c'est le premier citoyen, si on peut le dire. Mm-hmm. Quand il a rencontré les professionnels de la santé, nous sommes revenus au bureau, toutes les notes que nous avons prises, nous avons rassemblé tout ce qu'il a dit. Et le conseil de cabinet qui a suivi, tout ce qu'on a pris comme communication de Monsieur le Président de la République, on a mis dedans. Et le micro-trottoir que vous êtes en train de faire aussi, c'est micro-trottoir aussi, comme on vous a dit, on va mettre un comité en place. Et tout ce que vous avez collecté comme message sur les dispositifs que vous avez, la commission va travailler là-dessus. Et aussi, quand vous allez sortir, aussi pour aller vers les citoyens à l'intérieur du pays, tout ce que vous allez récolter, nous allons travailler avec vous pour que vraiment ces produits-là soient utilisés pour le compte des États généraux. Vraiment, c'est vraiment une instance qui va être très ouverte, très consensuelle. Le ministère de la Santé et ses partenaires vont être là vraiment pour recevoir et pour aller dans le sens du consensus. Ok. Et docteur Kouma, moi j'aimerais revenir sur le profil des participants à ces états généraux. Okay. Qui sont-ils et d'où viennent-ils? Bon, les participants seront d'abord les agents du secteur de la santé, ensuite la société civile et les autres départements sectoriels, et puis les représentants des collectivités. Parce que la santé et l'administration du territoire sont deux entités qui sont sur le terrain et qui sont indissociables. Donc, nous comptons réunir toutes les sensibilités du pays pour pouvoir avoir plus de points de vue afin de proposer des solutions qui vont dans le sens d'améliorer l'état de santé. Et le ministre de la Santé avait instruit effectivement de faire un diagnostic sans tabou. Donc rien ne sera occulté, on fera de sorte que le problème soit sur la table. Donc toutes les questions seront abordées et des dispositions seront prises sur le plan technique organisationnel pour faire en sorte que ces questions qui seront soulevées soient mieux synthétisées et mieux exploitées en vue de trouver les mesures correctives. Ok. Vous avez parlé de sensibilité. Je me rappelle que à travers d'ailleurs ce même projet, ce projet a appuyé la commission santé de l'Assemblée nationale, qui a fait des déplacements à l'intérieur du pays, qui a visionné un peu dans quel état nos structures de santé sont. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que cette commission, ou en tout cas que l'Assemblée soit associée à cela? Tout à fait. Ça, c'est une partie intégrante de ces assises. La commission de santé de l'Assemblée et aussi d'autres citoyens. Donc, j'avoue que au niveau du ministère de la Santé, on est en train de voir comment toutes ces sensibilités puissent être associées, comment faire en sorte que tout ce qui sortira de ces rencontres puisse être exploité à bon escient. Ok. Et tout ce que nous faisons aujourd'hui, c'est pour améliorer l'accès des populations aux soins de qualité. Et pour finir, donc, quels sont vos messages vis-à-vis de la population qui est la principale bénéficiaire de la réussite de ces états généraux? Bon, moi, je vais commencer peut-être. Monsieur le conseiller va terminer. Et vous savez, ce que moi j'ai à dire à la population, elle a beaucoup patienté. On demande que la population patiente, parce que le gouvernement est en train de faire beaucoup de choses pour la population. Et comme l'État, c'est une continuité, nous espérons que, avec le temps, la qualité de service que M. le Président de la République souhaite pendant qu'il est au pouvoir, après lui, celui qui va venir aussi, va souhaiter la même qualité de service. Avec le temps, la population aura la qualité de service qu'il faut. Et donc, nous sommes tous en train de concourir pour cela. Et donc, nous espérons que la population, elle va
elle patiente et elle aura ce qu'elle cherche en termes de qualité de service. Qu'est-ce que vous attendez d'elle en termes de participation, au-delà de la patience, comment doit-elle agir? Non, moi, je crois que c'est ce que nous avons commencé. Pour nous, les états généraux ont commencé. À partir de là, on est en train de faire les états généraux déjà. Okay. Donc, nous disons à la population, je fais partie de la population, le président de la République fait partie de la population, le ministre de la Santé fait partie de la population. Donc, nous devons parler parce que nous sommes les utilisateurs des services de santé. Ce n'est pas parce que je suis directeur aujourd'hui. Quand je suis malade, je vais à Donka. Quand ma maman est malade à Carfamoria là-bas, il va au centre de santé de Carfamoria. Donc, j'ai intérêt que les services qui doivent être offerts au centre de santé de Carfamoria, qu'ils soient de qualité. Sinon, le président de la République, tous les jours, il dit qu'on évacue trop. Mais aussi, on oublie qu'il y a l'évacuation interne. Ma maman est malade à Carfamoria pour le diabète. Au lieu de l'amener chaque 3 mois ici pour l'équilibrer, pourquoi on ne peut pas l'équilibrer à Carfamoria là-bas, au centre de santé qu'on a construit là-bas? Donc moi, je demande à la population vraiment de participer à ces états généraux pour poser le problème. Moi-même, je suis population. Donc, il faut qu'on parle en tant que population. Dr Kourouma est population, vous êtes population, il faut qu'on participe parce que c'est notre problème. Et la solution aussi, c'est la solution qu'on va se proposer. Donc voilà ce que moi je dis à la population, d'accepter de participer, de parler sans gêne, sans complaisance. Ok, Dr Kourouma, un mot. Je voudrais également dire à la population de se patienter. Et surtout, je voudrais rassurer la population. Parce que si on a commandité, si le président de la République, le professeur Alpha Condé, a demandé au service de santé de faire un diagnostic approfondi, c'est dans le souci d'améliorer l'état de santé de la population. Donc, autant, toutes les politiques publiques sont orientées vers ça. Donc, je voudrais leur rassurer de notre volonté de ne rien ménager pour faire en sorte que l'état de la population soit amélioré, que la santé en République de Guinée soit le modèle en Afrique. Voilà. Ok. C'est donc sur ces mots d'espoir que nous fermons porte et fenêtre de cette émission spéciale Guinée Forum. Il était donc question dans cette émission des prochains états généraux de la santé. Et pour parler donc des préparatifs de ces assises, nous avons reçu sur ce plateau Dr Kourouma Mamadi, il est conseiller du ministre de la Santé, chargé des politiques sanitaires. Également, il était avec nous sur ce plateau Dr Abdoulaye Kaba, lui, il est le directeur du bureau de stratégie de développement. Chers invités, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci, madame. C'est à nous de vous remercier. Merci. Merci à toi également, Korka, de m'avoir accompagné dans l'animation de cette émission. Je tiens à préciser que cette émission est réalisée dans le cadre du projet Participation des citoyens à la gouvernance de la santé, un projet financé par l'USAID et mis en œuvre par FHI 360 en consortium avec Search for Common Ground et Social Impact. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre thématique, mais en attendant, portez-vous bien.